Et bonjour à tous. Alors, comme vous voyez, on vient de se réveiller. J'allais dire se lever, réveiller, ça fait un mot bizarre. Bon, on a encore un petit peu la tête dans le cul. Alors, vraiment, on saute du lit. Hein. On sort du lit, on fait une vidéo directe. Donc là, bon, la nuit, est-ce qu'elle s'est bien passée? Alors, Déborah a oublié les coussins. Donc, on a dormi sans coussin. Premier truc compliqué. Deuxièmement, moi, mon diabète a fait un truc bizarre cette nuit. Mais sinon, on a bien dormi. On n'entend même pas les voitures alors que c'est même pas terminé d'être isolé. C'était calme. On n'a pas entendu de gens qui se battent pour une fois. Et puis, l'avantage, c'est qu'on se lève. On est directement là. On se dit pas, oh, on a encore la route à taper et tout. Et en plus de ça, on fait des économies. Vu qu'on dépense pas 80 km d'essence. Donc je suppose que ça fait en litre, ça doit faire à peu près 10 € en aller-retour, je crois. Si quand je regarde à peu près avec la consommation, je parle bien sans remorque, hein, parce qu'avec la remorque, je faisais même pas. Je crois que je faisais 600 km avec un plein de plus de 100 €. Ça faisait mal. Hein. Mais bon, c'est les travaux. Donc nous là, ce qu'on va faire avant de commencer, comme vous voyez, c'est le bordel. On entasse partout. On fait là où on peut à chaque fois. Le problème, c'est qu'on pose dès qu'on a un truc, on pose, on range pas. Donc là, avant de commencer, on va tout ranger la maison pour pouvoir retravailler dans des conditions, convenables. Et on va faire ça en time-lapse. Bon, du coup, comme vous le voyez, on s'est redonné du passage. Alors forcément, c'est pas nickel. On va encore bosser là. Donc ça sert à rien de faire les poussières et tout ce qui s'ensuit. On a juste remis les outils ensemble. Tout ce qu'on avait plus besoin, on l'a viré. Il y a là, à cet endroit-là, il y avait un gros mont avec tout ce qui était montant et semelle. Ici, il n'y a plus de cloison à faire, donc ça sert à rien de les garder ici. On les a mis dans la chambre là-bas où il restait des cloisons à faire par exemple. Au moins, ça nous libère de l'espace parce que hier on devait faire le tour
De tout, c'était vraiment trop trop chiant. On a peut-être perdu du temps à pas vouloir ranger dès le début ou alors réorganiser. Pareil, ça, pour pouvoir faire derrière, on a dû tout ramener ici. Donc une galère pour passer. Mais bon, c'est vrai que là-bas, normalement, ça devrait aller plus vite. Donc il restera encore tout le placo à bouger. Parce que forcément, si on continue là, on va devoir arriver là-bas. Donc là, après tout ça, on va le virer. On sera obligé. Et là déjà, on va attaquer ce mur-là. Ce sera déjà une bonne chose de faite. C'est parti. Bon, on va attaquer chose sérieuse. Je vous montre. On a tout débarrassé d'ici jusqu'au fond. Tout le long. Les gens vont se moquer parce que je vais faire tout le long. Mon magnifique toilette est à découvert. Qui fuit. Non, il fuit pas, c'est parce qu'il bouge, il est mis vite à l'arrache comme ça, c'est normal. Dans tous les cas, c'est pas la place définitive du On peut toilette. dire qu'il sent bon alors. Non, il sent pas bon, parce qu'il est bouché tous les 2 jours. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'une traite tout ce pan de mur-là. Il devrait pas être long à faire. J'espère que le mur n'est pas trop de zinc, comme dirait Devo, c'est-à-dire n'est pas trop en biais. Comme ça, on pourrait faire tout assez rapidement, je l'espère. Donc là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on ne va pas faire la laine de verre maintenant. On n'est pas encore dedans. Donc pour éviter de se gratter comme pas possible, on va d'abord faire tout ce qui raille. Et à la fin, on fera vraiment toute la laine de verre. Comme ça, ça sera vraiment, on va enchaîner en fin de soirée et boum, boum, boum. On va faire comme ça. Là, pour l'instant, on prépare les rails, on prend nos cotes. On fait tout bien, tout beau, tout propre. On lance. Là, normalement, ça devrait être assez rapide. Il n'y a pas de fenêtre, rien. Et les câbles, on les passe après. Donc, je vous montre. Hein. Je suis désolé. Je vais dézoomer pour vous donner. Voilà. Là, on va faire vraiment tout le long. Parce qu'à chaque fois, le zoom se remet normalement. Mais là, moi, ça vous permet de voir en une seule fois, en une image, tout ce qu'on va faire. T'es prête, Débo? Regardez comment elle est belle, ma guerrière. Même le matin, quand elle se lève et qu'elle ne peut pas se Allez, je vous montre préparer. ce modèle. Fais-moi un bisou. Je sais pas si j'ai bien filmé. J'ai essayé de nous filmer en train de se faire un bisou. Les gens, Apparemment, l'autre sens peut-être pas aussi. les gens ils vont croire qu'on est amoureux après. T'imagines? Oh! Ta couverture est foutue. Pourquoi foutu? Ben les gens, ils pensent qu'on s'aime pas. Non, on s'aime pas. On s'aime pas? Merde. C'est pas grave, au montage, je peux couper le On est bisou. là que pour... comment on peut dire? Ouais, on est des colocataires. Non, comment on dit? Non, Bon, t'es... merde. Ceux qui profitent là. Mais je cherchais justement un truc par rapport à ça. Attends, C'est c'était pas quoi? les. Je suis pas. Toi, tu m'as pour intérêt pour que je t'aide à faire la maison. Ouais, en gros. Et moi, je t'ai... Alors Oh, toi, me fous, t'as aucun avantage à être avec moi, donc tu peux chercher. Ah ouais, mon bébé. Elle est là pour mes chiens. tu payes les courses. Tu payes les courses. Vous avez vu, en fait, pour Déborah, je ne suis qu'un portefeuille. Bah, hé! Hey, t'es dans la merde, j'ai plus de thunes! Attends, tu peux encore partir vite. Ah, ça y est, elle va bientôt partir. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé les vidéos avec Déborah parce que je vais finir la maison solo, du coup, vu que j'ai plus de sous. Allez! Au lieu de dire des conneries, nous, on va continuer. Par contre, je rigole. Le pire, t'imagines, c'est là qu'il commence vraiment à croire en fait. Hein? T'imagines par exemple, un jour, t'es en train de filmer, je suis pas là. Tu vas Ouais. te dire, merde, Déborah, elle est où? Elle est où? Elle est où? Ben, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que. Vous voyez, vous êtes. Alors, il y en a beaucoup qui disent que je suis méchant avec Déborah. Faut savoir qu'attention, hein, on est tous les deux comme ça. On est tout le temps en train de se dire, vous inquiétez pas, on s'aime. On est ensemble. Ouais, vas-y, pleure, fais semblant. T'es nul. En fait, on passe notre vie à se piquer parce qu'on trouve ça tout simplement marrant. Vous voyez, par exemple, moi j'ai un gros ventre, elle va me taquiner sur mon poids. Toi, c'est ton Fais nez. gaffe, ah ouais, Voilà. t'as de la chance, t'as de la Toi. chance. J'allais te jeter ma bouteille d'huile. En fait, on passe notre temps à se taquiner, mais ce ne sont que des mots. Je veux dire, nous, on sait rigoler de tout. Demain, vous allez rigoler, vous allez faire une blague sur les gros ou les diabétiques. Je vais être mort de rire, parce que moi, je sais en rigoler. Vous allez faire une blague sur les Français, une blague sur les Blancs, une blague sur les oreilles de chou-fleur, une blague sur les gros nez, une blague sur les grosses lèvres, une blague sur mon double menton. Mais moi, je trouve ça drôle. Il faut savoir rigoler de tout dans la vie. Et hier, il y a une vidéo qui est passée, je sais plus où. Vous savez, à l'époque, Coluche, il rigolait de plein de trucs, du racisme, des handicapés, tout ce qui s'ensuit.
Avant, on en rigolait parce que c'était pas pour se moquer, c'était pour. Moi, je pense que c'était plus pour dédramatiser une situation qui n'est pas marrante de base, mais ça dédramatise. Et le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut plus rigoler de rien. J'ai vu là, il y a. Ils ont dit que Coluche il sera en prison à cette Ouais, époque. aujourd'hui, Coluche, s'il était encore là, il sera en prison. Et je trouve ça malheureux parce que c'est quand même une personne qui était hyper importante. Et aujourd'hui, il y a même le métier d'humoriste qui va peut-être disparaître parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire et plus rien faire parce que tout est une attaque, tout est. Et ça, je trouve ça malheureux. Dites-moi en commentaire si vous êtes des gens qui rigolent de tout ou s'il y a vraiment des sujets qui peuvent vous blesser. Moi, par exemple, vous pouvez tout me dire, sauf que je suis infidèle et un menteur. C'est les Menteur, deux trucs. un grand Voilà, menteur. elle sait que ça m'énerve. Parce que il y a des choses où vous avez tellement bossé sur vous pour dire d'être nickel sur un truc que quand on va vous piquer là-dessus, ça va faire mal tout de suite parce que vous savez que vous essayez d'être carré. Moi, demain, quand on me dit, toi, ouais, vas-y, t'es un menteur, oh là 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 là, ah, tout de suite, la pression, elle monte. Mais tout de suite, vous pouvez me dire que je suis un connard, hein. Tous les noms d'oiseaux qui puissent exister, bon, moi, ça me fait rire. T'es Ça un me fait rire. perroquet, frère. Un perroquet est nul. Mais enfin, bon, allez, on arrête de parler de ça, on est là pour les travaux quand même. Bah Mais ouais, bon, c'est temps, on est moi, au je trouve taf. ça quand même malheureux qu'on puisse plus rigoler de rien. Par exemple, c'est simple, alors. Je vais mettre peut-être des gens à dos, mais je vais le faire. Par exemple, quand on était jeune, on faisait exprès tous les 2 secondes de dire ah oh, ça c'est pas un truc de PD, d'un air de dire ça c'est un truc de bonhomme. On disait ça. Alors c'est pas contre les homos. Et le truc c'est que quelquefois ça veut sortir parce que ben on l'a sorti quand on était jeune, mais quand on était jeune c'était pas grave. On pouvait. Mais aujourd'hui si je disais ça en vidéo, je pense que je me ferais éclater, alors qu'en vrai, il n'y a rien de négatif dans ce que je dis. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas le truc qui. Je sais pas, parce que vous voyez, quand vous arrivez sur des terrains glissants, même là, je suis en train de chercher mes mots parce que je ne peux pas dire ce que je veux. Et comme moi, quand je veux dire quelque chose, ça passe, ça sort comme ça passe dans ma tête. Aujourd'hui, on est obligé de tout structurer pour dire de se justifier et tout, alors que juste, c'est un truc marrant qui était censé blesser personne, c'est juste pour schématiser, c'est comme, voilà, on va prendre une expression qui date depuis la nuit des temps, faire du travail d'arabe. J'ai rien contre les arabes, il y a des arabes qui travaillent bien mieux que certains français, mais c'est une expression, c'est comme on va prendre un truc qui me. Parce que, avoir, on a le droit de rigoler. Que de ce qu'on est nous. Je suis du Nord. Je suis un consanguin. Bah moi, quand on me dit ça, ça me fait rire. Ça me fait rire. On a généralisé, on a dit que dans le Nord, on était alcoolique et consanguin. Alors je vous rassure, Déborah n'est pas ma sœur. Et malheureusement, je bois pas d'alcool. Ça se voit que je suis pas ta sœur. C'est, on va dire que 3 fois par an, pendant les grandes fêtes, je vais boire un coup. Mais voilà, ben, dites-moi que je suis alcoolique, moi ça me fait rire. Je trouve pas ça raciste de dire qu'un mec du Nord est alcoolique. Ça fait partie d'une tradition qui a été généralisée. C'est marrant. Enfin, nous on trouve ça marrant. Je trouve ça tellement dommage que même de ça on peut plus en rire parce que nous, personnellement, c'est un truc qui me faisait rire. Alors, c'est un peu l'humour de bof, hein, c'est quand on te le répète 10 fois par jour. Mais pff, je trouve ça dommage. Il y a des choses qui étaient ancrées qui vont se perdre à cause de l'humour qu'on ne peut plus faire. Par exemple, j'espère que moi, mes enfants, un jour, ils sauront que ben, on était pris pour des consanguins, des alcooliques, ou il y avait quoi encore? Souvent, tu vas au stade de Lens, t'as tout sur les drapeaux, là, tous les insultes du Nord. Pareil, j'ai rien contre les Lensois, j'en suis un. Mais c'est marrant, je veux dire, ceux qui se sentent offensés, je pense que c'est ceux qui le sont réellement, et c'est tout. Et encore, vous devriez même pas, on est ce qu'on est, et puis c'est tout. Allez, nous, on va continuer les travaux. Allez, oh là là, en ce moment, je fais des vidéos, je fais que parler. C'est T'as dingue. pas Allez, aimé. on va bosser. Bon, Débo est parti à Action chercher des disques à Ferrari, parce que j'en ai plus à force. Ben, ils sont tous morts. Parce qu'on a quand même coupé pas mal de rails. Donc, moi, en attendant. Ah oui, après, elle passe chez sa mère pour aller chercher à manger, c'est vrai. Moi, en attendant, je vais venir faire un petit mur tout le long, parce que là, c'est vrai, mon père me dit, et là, tu mets où ton rail? J'ai fait ah. Du coup, je vais cimenter un petit mur et faire une sorte de petite chape en basant aux deux carrelages, je ne vais pas embêter, pour pouvoir mettre ben, moi les clips, hein, tout simplement.
Du coup, je vais faire ça en attendant qu'elle arrive. Je vais faire un peu de ciment, monter un mur. Je vais regarder courbiager, voir si je fais avec un parpaing normal, deux anciens parpaings. Là, je vais regarder et je fais un petit peu de ciment à la main. Normalement, j'ai pas non plus besoin de 2 tonnes de ciment. Du coup, je vais pas embêter. Je vais faire ça tout de suite. Alors, j'avais ça dans la cour et je me dis, mais attends, si je mets ça tout le long, ça rentre pile poil pour faire un truc propre. Et en plus de ça, je pourrais mettre ça et ça peut faire des rangements pour dire de ne pas perdre ce petit espace-là. Vous savez, pour les trucs qu'on utilise souvent, le mettre ici et faire après un droit directement avec ça, cimenter ici. Ça, je dois monter de 34 et là 32. Donc ça fait 32 hauts. Donc j'ai juste à faire un petit lit de ciment, me mettre pile poil de niveau. Et puis, alors je sais pas si c'est. Mais je pense que c'est assez solide pour juste maintenir un rail, quoi. Et en plus de ça me ferait des rangements. Ça me ferait pas trop maçonner. Et c'est déjà plat, c'est déjà lisse, et j'ai juste à bien me mettre. Donc je pense que je vais mettre ça, je vais pas embêter. Ah ouais, non, franchement, c'est pas con. Et au pire, j'essaierai de mettre mes chevilles à frapper dans des rebords comme ça. Ah, je vais faire ça, je crois. Je vais faire ça. Allez! Je vous montrerai si je suis resté sur cet avis-là ou je vais quand même appeler mon père, on sait jamais. Donc voilà, je vous montre. Donc là, j'ai cimenté en dessous. J'ai mis des coins pour être sûr que ça bouge pas. Je me suis mis nickel comparé à mon carrelage pour dire que je sois parfait tout de suite, en fait, tout simplement. Voilà, bien cimenté en dessous, sur les côtés. On va laisser tirer et une fois que tout est bien tiré, eh bien on viendra reconsolider par-ci par-là. Peut-être pourquoi pas mettre une vis, mais au moins vous voyez, ça fera des petits rangements. Et puis au moins, c'est nickel du premier coup, ça me fera du travail en moins. Et puis c'est de la récup, ça m'a coûté zéro. Oh, ma belle-mère, elle m'a sauvé des raviolis en boîte. Elle m'a fait des petites enchiladas avec du riz blanc. C'est ma mère qui a proposé, mais c'est ma soeur qui les a fait. Ah, c'est ta soeur qui les a faites? Ouais. Merci Mini Minouche! Mini Minouche, mais non, c'est Prissouille. C'est Mini Minouche, je dis ce que je veux, c'est moi qui décide, d'accord? C'est Prissouille. Fais gaffe, hein. Ça suit avec son prénom. Fais Avec gaffe. son prénom. Moi je peux être méchant quand je veux. Regarde, t'as vu? Ça c'est quand je suis en colère, tu veux ça? Donc là, j'ai terminé de mettre mes petits bacs, je les ai bien mis niveau, bien, tout nickel. Comme ça, je peux venir mettre directement mon petit. Ma petite lisse tout le long, pas besoin de maçonner rien. Bon là j'ai mis ça, c'est juste pour fermer. Quand il me restera des fonds de ciment, je viendrai remplir dedans pour faire quelque chose de beaucoup plus propre. Mais là le plus important c'est que la lisse soit que j'ai au moins tout, que je puisse mettre au moins une vis tous les 60. Donc là maintenant on va bien laisser sécher, tirer et on va laisser repartir sur les rails qui sont là-bas. C'est parti. Donc là. On a réglé nos lisses en haut, en bas, de niveau, tout nickel. On est en train de mettre nos supports pour mettre les fixations. Débo, elle est en train de rentrer les vis à frapper dans l'autre sens. Ça, tu peux mettre dans l'autre sens. Ça, c'est quand tu mets dans les lisses. Là, tu as la place pour faire ça. Hop, nickel. Donc là, va les mettre. Moi, je vais mettre les fixations derrière. Pendant qu'elle fait ça, au moins après, on vient mettre la laine de verre. Boum, boum, boum. Ça va aller vite, j'espère. J'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes avec les fixations, qu'il va pas falloir recouper, retaillader et tout. Normalement, j'ai prévu pour que tout soit nickel. On croise les doigts. Donc là, toutes nos fixations sont prêtes. On va démarrer du mur là-bas jusqu'à là-bas. Et j'ai déjà préparé tous les 60. Comme ça, je suis tranquille. En fait, je me suis basé à la plaque de placo là. J'ai pris mon début et en fait, ben, par rapport à ça, donc la ligne de verre, on s'en fout, elle ira un peu plus loin. Mais au moins, tout sera basé au niveau des plaques de placo, que ça m'a facilité le boulot puissance 10. Je suis pas obligé de retracer tous les 60 vu que je me suis mis à peu près la débo, la tenue. Tout a été mis à 60 et au millimètre près, on réglera quand on viendra mettre notre plaque de placo avec le rail. Allez, c'est parti! Comment ça fait plaisir quand ça va bien comme ça. Des journées comme ça, j'en fais tous les jours. Tout a été nickel. Là, le mur complet. Là, donc là-bas, un mur, une journée. Un mur, moins d'1 heure. Alors d'accord, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien.
Mais là, tous les systèmes étaient à la bonne taille. On a tout géré pour être sûr d'être au bon endroit. Bon, tout est nickel. Tout est nickel. Tout coulisse bien. Tout se met bien. Tout passe du premier coup. Regardez. C'est lisse. C'est. Tout va. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que du coup, bah là, on a bien avancé. On n'a pas eu à s'énerver pour trouver un système pour essayer de faire ci ou de faire là. Du coup, voilà, je vous montre. Hein, c'est appréciable, c'est agréable. Vous pouvez regarder comme ça. Tout est aligné, regardez. Tout est aligné, tout est nickel. Ça m'a pris 10 secondes à chaque rail. C'est impressionnant. Quand ça coulisse comme ça, quand tout va, c'est tellement bon de bosser comme ça. Oh là là, vous imaginez pas le kiff que c'était de faire ce mur. Bon, du coup, binôme, on continue? On attaque le mur qui est un peu moins drôle et les fenêtres. C'est parti? On a 4 heures On a 4 heures? pour faire tout. Faut saquer. Let's go! Bon, je vous montre. Donc là, on a terminé jusqu'à la porte d'entrée. Tout le mur là. Jusqu'au fond. Donc là, ben, il ne reste plus qu'à attaquer la dernière partie qui se situe de là jusqu'à la porte là-bas. Alors, est-ce qu'on aura fini ce soir? Je pense pas parce que là, il y a du taf avec les fenêtres. Il y a énormément de choses à faire. Et puis en plus de ça, là, je peux pas encore me fixer dedans vu que j'ai fait tout à l'heure. Mais je peux déjà mettre mon rail. C'est vrai que ça, c'est pas problématique. Je vais regarder comment on est venu mourir là-bas. Mais normalement, je vais me baser à ça. On va lancer tout le long. Mais on aura déjà fait, je pense, une bonne partie. On aura au moins préparé l'armature, je pense, d'ici ce soir. Du moins, j'espère. Allez, c'est parti. Bon, on va pas terminer ce soir. On va s'en laisser un petit peu pour demain parce que là, on est en train de s'énerver. En fait, le ici, là, c'est tout un système pour mettre la lisse clip au-dessus des fenêtres. On peut pas visser. C'est une galère monumentale. Alors, j'essaie de faire en sorte de pouvoir avoir un bout qui fixe là et là, et de l'autre côté faire pareil, pour avoir un maximum sur des lisses qui sont comment dire, fixées. Ça, après, bon, une fois que les montants seront mis, mais là, le problème, c'est qu'il faut régler ces deux fenêtres-là exactement pareilles, en même temps, plus les deux lisses en haut, en bas. Là, franchement, c'est compliqué, c'est un vrai casse-tête. Donc là, j'ai compris comment faire. J'ai réglé jusqu'à ici. Donc lui, il va refiler jusque là-bas. Ça, c'est pas un problème. J'ai tout fait correctement. Là-bas, il dépasse un peu. En dessous de la porte, vu que ça va être juste une plaque de placo normale, c'est pas grave qu'il manque un bout. On mettra une chute. Tout a été calculé en sorte que tout soit nickel quand on mettra. Mes fourrures sont déjà coupées aux dimensions. Donc demain, il faudra tout régler vraiment pile poil jusqu'à la dernière comment dire la dernière lisse. Là, en fait, pourquoi on peut pas régler la dernière lisse? Tout simplement parce que comme j'ai maçonné aujourd'hui, c'est pas encore sec, donc je peux pas encore me fixer dedans. Donc tout simplement, on va attendre demain pour dire de terminer cette partie-là et seulement après, on pourra installer les fixations, mettre la laine de verre, remettre les fourrures et ce sera enfin terminé. Le plus gros a été fait aujourd'hui, mais bon, forcément, on ne pourra pas aller jusqu'au bout parce que j'ai maçonné tout à l'heure. Bon, allez, moi dans tous les cas, j'arrête ici, ça va être une fin de vidéo. Des beaux rôles débarrassent encore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi honnêtement en commentaire, attention, hein, si vous me dites Vincent, tu me casses les couilles. Quand on parle longtemps, par exemple, je sais que la vidéo d'avant et la vidéo là, on a parlé de sujets qui nous tiennent à cœur. Et si ça vous fait chier qu'on en parle en vidéo, j'aimerais savoir, limite, je crois que je vais même lancer un sondage. Comme ça, ben, si je sais que ça ne vous plaît pas, dans la plus grande partie des abonnés, j'arrêterai d'en parler, forcément. Moi, je sais que je peux débattre pendant des heures parce que j'adore débattre avec des gens qui sont du même ou d'un avis différent. Mais si je suis tout seul à aimer ça, c'est
pas forcément le meilleur des trucs à faire. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Oh, comment ça fait du bien d'avoir tout isolé derrière. Oh là là, regardez-moi ça. C'est tout beau, c'est tout beau. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!